Salutations mes petits chatons, c'est Chicouette et on se retrouve enfin pour les produits terminés. On est du tour de la vidéo le 6 novembre. Ouais, le 6 novembre. Parce que déjà ce week-end j'étais pas là, sinon ça aurait été tourné avant. Je n'ai toujours pas de nouvelles de la gagnante. Voilà, je précise. Pour l'instant, que ce soit sur Instagram ou par mail. Au moment où, en tout cas, je tourne. Vu que c'est une nouvelle qui a gagné, hein, je dis rien, mais généralement. C'est pas la première fois que ça arrive. Après, il peut y avoir des problèmes. Soit quand les gens ils sont malades. C'est, je sais que c'est arrivé. Petit clin d'œil. Du coup, voilà. Toi, tu dégages le circuit de petit box là. Alors, putain, faut me rappeler. J'ai commencé du coup ce qui n'est pas. Ce qui n'est pas calendrier. Par contre, j'ai fini tous les calendriers de 2022. Ça y est, c'est officiel, oui. Voilà. Donc, on va commencer bah, par ça. De la marque Clinique, du coup. J'ai terminé le mascara Impact Optimal. Du coup, Impact Optimal. Alors, je ne sais pas ce qu'il faisait. C'est tellement écrit petit que. Bon, bref. Donc, celui-ci. Alors, le problème, c'est que vous n'allez pas voir autre chose. Bref, si ce n'est pas grave. le packaging est vert, très foncé à paillettes. Voilà. La brosse, elle est comme ça. Ça va. Bon, j'ai envie de dire, ils sont le mascara, mais. Non mais bon, alors je l'ai bien aimé, c'est-à-dire qu'il est facile d'utilisation, d'application. Au bout d'un moment, ça glissait même, je vous jure, ça glissait. Alors je ne sais pas si le produit, enfin si le produit intérieur a s'est liquéfié, qui fait que ça a glissé au bout d'un moment. Et sauf que bah là, la fin du mois, j'ai décidé de l'arrêter parce qu'il commençait à me faire des paquets. Donc voilà, et j'ai tellement de mascara à tester que voilà. Là, j'ai pas fait montrer. Là, c'est du coup tirage au sort, bien évidemment. C'est du coup le. Je pousse ce zoom. Voilà. C'est du coup le mascara Serge Lutens qui coûte la peau, la peau du cul. Et la brosse, c'est en forme de peigne. J'en dirai plus tard. Je trouve que c'est pas facile d'utilisation pour le coup, pour le Serge Lutens. Voilà. Donc pour moi, c'est un top. Hein. Je suis pas difficile avec les mascaras. Enfin, parce qu'il y en a qui sont plus assidus sur ça, mais pas moi. Top et flop, on est d'accord. Voilà. Donc, un premier top. Ensuite, alors là, je vais faire une dédicace à Amélie, du coup, de la chaîne Amélie Love, du coup, with the coco, il y a longtemps. C'est la marque Énergie Fruit, je sais qu'elle aime bien cette marque. Alors, j'ai voulu tester, oh putain, je ne sais même plus où j'ai acheté ça. J'ai dû acheter ça à Stokomani, il me semble, dans ma mémoire. Donc, en fait, c'est ma douche framboise, donc parfum framboise et fleur de cerisier. C'est avec 98% d'ION. Hein, alors, c'est Made in France, c'est un pH neutre et c'est vegan pour peau sèche, bien évidemment. Alors, je sens l'eau avant de vous faire entrer. C'est vrai que ça sent une framboise très légère, en fait. C'est une framboise très 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 légère. Donc, le produit, il est comme ça. Voilà. Donc, alors spécialement, donc, comme je l'ai dit, l'odeur est très légère. Tu sens quand même la framboise. Au niveau du produit, c'est-à-dire que du gel, bah, je sais pas si c'est quand même un peu trop liquide, je trouve, pour, du coup, pour un gel douche. Hein. C'est mon avis, hein, c'est mon avis sur celui-là en tout cas. Donc, en fait, t'en perds un petit peu. Alors, ça, j'ai oublié de préciser, c'est en format de 500 ml. Voilà. Tout simplement, je suis en train de chercher. Ah, mais 0% colorant. Ah oui, c'est bon. Oui, le produit est transparent, contrairement au packaging qui est orange. Voilà. Donc, voilà, sinon ça fait son job, hein, ça mousse un peu. Hein. Je peux pas dire que ça mousse des tonnes, hein, comme on aime. Mais voilà, ça fait son job. Voilà, je l'apprécie. Voilà. Je suis pas sûre de reprendre parce que cette marque, elle est un petit peu onéreuse. Onéreuse, pardon. C'est une marque, pas un marque. L'avoine. Oh, pardon, maman. Aïe, je me frappe moi-même. Ça va pas là-dedans. Donc voilà, c'est un top. Aïe, je vais pas dire que c'est un top parce que c'est trop liquide. Oh, bah on reste avec Amélie du coup. Parce que ça, je l'avais pris dans son Nintendo. Hein, voilà. Donc, oh là là, pardon. Je vois l'état du produit. Hashtag calcaire. Non, on va arrêter avec le hashtag là. Chaque fois que je pense à un truc, je dis hashtag. Bon, on va garder les principaux. Du coup, c'est de la marque Apilita et du coup, c'était un shampoing hydratant. Donc, à l'acide hyaluronique et à l'aloe. À l'aloe, oui, c'est ça. Donc, c'était un 250 ml. Donc, c'est celui-ci. Donc, vous voyez le calcaire. Il est resté dans la douche assez longtemps. J'aime bien l'odeur, ça sentait vraiment l'aloe. Alors, l'odeur restait sur les cheveux. Pour le coup, ah oui, il m'a hydraté. Pour moi, il a fait son job. Il moussait pas forcément beaucoup. Mais voilà. À la gueule du paquet de pain. Donc c'est un pain, pardon. C'est la première fois pour un produit aussi magnifique. Maintenant pour Amélie, c'est bon. Hein. Voilà.
On va passer du coup du côté de chez Oriane, donc de la chaîne Beauty World. Ça c'est le dernier produit du swap que j'ai testé. Enfin, je vais pas tester grand chose parce que j'en ai donné deux quand même. Donc, voilà. Là c'est la marque Gorgée de Soleil Bio, donc c'est une marque bio. C'est une crème hydratante 24 heures de jour. Voilà, c'est bio, c'est cosmo-organique, à l'abricot, du quoi, du roussillon, pour tout type de peau. Et c'est 100% français. Voilà. C'était un 50 ml et il me semble que c'est format, je vais y arriver, full size, il me semble, je suis pas sûre. Donc c'était celui-ci. Attends, j'ai focus, je suis con. Donc le packaging tenait bien, si un jour j'arrive à le faire montrer correctement, bon bref. Voilà. Donc dans mes souvenirs, ça sentait vraiment l'abricot, mais pas trop fort. Non, j'ai cru que j'avais bien coupé sur moi. Voilà, ça sentait un peu, mais pas trop fort. Alors, ça fait son job de crème hydratante, j'ai envie de dire. Voilà. Mais j'ai connu, de toute façon, vous le savez, j'ai connu meilleur. C'est un top, mais c'est pas ouf, tu vois, je reprendrai pas. Moi, la meilleure, c'est la marque Respire. La crème hydratante de la marque Respire. Oh, d'ailleurs, il faut que je l'utilise. Mais bon, j'en ai tellement testé par rapport à la box. Voilà. Un top, mais voilà, c'est pas ma préférée. Ensuite, on reste chez Oriane. Là, là, pour le coup, c'est le Vinted. J'avais pris ça chez son Vinted. Moi, je me rappelle de l'histoire qu'elle avait déjà dit en vidéo. Est-ce que ça vous dérange? Elle a posé la question. Est-ce que ça vous dérange de mettre ce produit en question que je vais vous montrer en concours, en concours. Et moi, j'ai marqué oui, il n'y a pas de souci. Mais bon, imagine, c'est pas moi qui avais gagné. Enfin, voilà, pour ceux qui ne veulent pas, voilà. Donc, elle l'a mis sur son Vinted. Et pour le délire, je m'ai pris. Ah, c'est le premier flop de la série de ce mois-ci. Voilà. Donc c'est de la marque. C'est de la marque. Oulala, que je me trompe. Je me trompe pas. Hein. C'est ça le problème. Hein. Je vais dire ce que je pense. Hein. Après, je sais pas. Mais je pense que c'est Monsieur et Madame Barbier, la marque. Ouais. Ou alors c'est tout se passe. Swiss, tout. L'anglais, quoi. Donc c'est un dentifrice blancheur. Qu'est-ce qu'il disait? Je pense que donc perlite, kaolin et huile de menthe poivrée. Voilà, super. Donc. Il se présente comme ça. Merde. Voilà. Et bah spécialement, j'ai pas aimé la texture de ce dentifrice. J'avais l'impression d'avoir de la mousse. Enfin, c'est bizarre. Franchement, c'était pas agréable du tout. Bon, ça sentait la menthe, hein, tout simplement. Ça fait son job, mais ça vaut pas le signal intégral 8 à la coco, bien évidemment, pour moi, qui reste le meilleur jusqu'à maintenant. Donc, je le mets dans les tops, dans les flops, parce que franchement, j'ai pas aimé la sensation, j'ai pas aimé du tout la sensation. Voilà. Il me semble que c'est... Ah non ! Il en reste un de la part de Oriane, donc là, c'est un masque en tissu. Oh là là, est-ce qu'il y a la marque, c'est ça le problème ? Ah, c'est la marque Max Brand, donc je pense que c'est à Action qu'elle a pris ça, ou je sais pas où, mais en tout cas, voilà. Elle a dû prendre ça quelque part, en tout cas. Donc c'est un masque fun, hein, je pense. C'était le Sweet Cookie et il y a marqué Deep Cleansing, donc il est nettoyant. Facial Chic Mask, voilà. Enrichi, bah oui, c'est enlevé par l'ouverture. Il n'y a pas du français. Masque pour le visage en bambou, biodégradable. Forme nettoyante en profondeur, enrichi en extrait de feuilles de périlla. Et après, il y a marqué comment faire. Donc c'était celui-ci. Voilà. J'espère que le montage va le faire. Voilà, parce que la dernière fois, bah, ils l'ont pas pris. Voilà. Alors, c'est un flop. Hein. Oh putain, rien. Un top sur eux, pourquoi quoi. C'est pas grave. Hein. C'est pas fin, hein, ça fait partie du test. Donc, tout simplement, déjà, l'odeur puée. Mais puée. J'ai pas du tout aimé l'odeur. Et bon, nettoyant. Qu'est-ce que tu veux que. Déjà, je trouve ça bizarre qu'ils disent qu'il est nettoyant, puisque déjà, faut se nettoyer avant de faire un masque, le visage. Donc, bon. Voilà, ça fait double cage. Enfin, non. En vrai, c'est simple, hein, il m'a rien fait. Donc pour moi, c'est un flop. Voilà. Et normalement, un nouveau film. Donc là, de la marque Blanc Crème à Paris. Ça, c'est un produit que j'ai acheté pour pas payer les frais de livraison. Donc, c'est le gommage corps à la fraise, revitalisant, 175 ml, qui est en format full size. Donc du coup, voilà. La guerre encore. Alors, je vous jure que ça sent vraiment la fraise. Oh. Non, mais ça sent vraiment la fraise. Pour ceux qui n'aiment pas le sucré, je pense à toi, comment ça s'appelle, Carole, de la chaîne Sweetie Beauty Home. Petit clin d'œil, si tu passes par là, je fais des gros bisous. Hein. Voilà. Tu sais ce que je pense. Voilà. Que je sais qu'elle m'a pas aimé, puis qu'elle m'a dit quand j'ai mis mon avis sur Instagram. Du coup. Il fait son job. Hein. Par contre, derrière, moi, je suis obligée de passer un gel douche. De faire un gel douche. Pardon. Voilà. Je peux pas laisser mon corps comme ça. Voilà. Imagine si tu faisais le gel douche et après, gommage. Moi, spécialement, je préfère faire le gommage avant et après le gel douche.
Et avec ce produit-là, j'ai bien fait faire ça comme ça. De toute façon, j'ai pas le choix. Parce que j'aime pas avoir la sensation un petit peu collant. J'aime pas ça. C'est pas le but d'une douche. Hein. Enfin, voilà. Donc, pour moi, ça reste un top quand même. Hein. C'est le... Voilà. Mais j'en prendrai peut-être, mais peut-être une autre. Mais d'ici là... Alors là, la marque Modelite ou Modelite, je sais pas comment on dit. Donc c'est un vernis à ongles, séchage rapide, brillance extrême. Donc, oh là là, il est tellement vieux que c'est la teinte L29. C'est un violet bidon, voilà. Je le dis quand même, mais je sais pas s'il est encore en teinte. Voilà. Donc il était comme ça. Donc, spécialement, alors, j'ai du mal avec les produits brillants, dans le sens où après, pour les enlever, c'est la galère. Ça, voilà. Donc voilà, vu que c'est un vieux en plus, hein, que ça fait des années que je l'ai... Croyez-moi que j'ai forcé la dose, il y en a peut-être encore dedans, mais voilà, j'ai décidé de passer à quelque chose d'autre. J'attends de finir les calendriers, et encore, je suis contente de faire ça parce que bah, ça va être la période, on va pas longtemps à ouvrir chaque case tous les jours. Mais voilà, donc faudra que je remette du vernis, et ça fait un bon temps que j'ai pas fait. Je verrai peut-être ça, pas vendredi, lundi après le travail, je pense, je verrai ça. Donc voilà, enfin j'aime bien la marque Modelite, voilà. J'ai bien aimé le pinceau aussi. J'ai pas aimé le rendu de ce vernis en tout cas. Juste pour ça, je vais pas l'acheter. Mais enfin, c'est un top, mais j'aime pas le rendu de ce qu'il propose. Oh là, je vais faire parler. Alors, ça, c'est calendrier, c'est quand même ça. Normalement, après, qu'est-ce qu'il y a de... Voilà, donc passons au dernier produit avant le calendrier. Donc, là, j'ai décidé d'attaquer la bougie qui était dans la première box de Scarlet Box hein, du mois de juin. Vous allez comprendre pourquoi, de toute façon, je crois qu'elle a mis au moins 2 mois. Elle a mis au moins 2 mois pour se consumer, donc ça c'est totalement top. C'était la chantilly bonbon 100% végétale, donc de la marque, la boutique de Scarlett, hein, de toute façon, tout simplement. Je vous présente la box tous les mois. Ah, pour parler de la box de ce mois-ci, vu qu'elle fait des salons et tout ça, des salons de mariage, des salons de tutti quanti, c'est priorité à ça, donc après avec les rassorts et tout, enfin, c'est bordé plus la boutique en ligne. Voilà. Donc voilà, pour l'instant la box de novembre, elle est pas prête d'être là, enfin, d'être en ligne. Je sais même pas s'il y aura une box de novembre, voilà. Tout simplement. Surtout que là, elle est en train d'expédier bah, les calendriers de l'avant, donc voilà. Que j'attends. Je dis rien. Je dis rien, vous allez savoir en temps et en heure ce que je vais dire après. Donc c'est une édition limitée, donc vous pouvez pas la retrouver sur sa boutique, mais je voulais faire montrer le petit packaging, voilà. Donc là, ça sent plus forcément. Alors, déjà assez bien consommé jusqu'au bout, comme vous pouvez voir. Je l'ai adoré. J'étais même dégoûtée de l'avoir fini. Elle a duré, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les alentours de 2 mois. Franchement, une pépite. Une pépite. Validée par la famille en plus. Donc voilà. Pour ça que j'ai pris le calendrier de l'avance. Déjà avec les odeurs, c'est. Voilà. Je dis pas parce que j'avais déjà dit quelque chose. Voilà. Donc là, je peux passer au calendrier de l'avant. Alors, j'ai fini celui de. Normalement, c'est pas gros. Rituel et Yves Rocher. Je crois que Yves Rocher, je ne retiens pas aussi. Voilà. Je vais commencer par Yves Rocher. Enfin, donc, fini le calendrier d'avant, Yves Rocher 2022. Donc, dans la gamme pure algue, c'est l'eau micellaire démaquillant 2 en 1 pour peau normale à mixte. Voilà. Visage et yeux. C'était 50 ml. Voilà. Pure algue. Voilà. Ils sont pas bien. Ah, ils sont bons. Alors, l'odeur sent bon. Et pour moi, il fait son job. La vie des uns et des autres. Tout dépend de chaque personne. En tout cas, moi, trop bien. Moi, je l'ai adoré. Franchement, c'est quoi? J'ai pris du plaisir. Façon de parler, bien sûr. Mais j'ai pris du plaisir à utiliser ce produit, moi, spécialement. Donc pour moi, c'est un top. Voilà, donc calendrier de l'avant. Rituel pour le coup. Là, c'est de la gamme Ritual of Namasté. Du coup, c'était. Ah oui, les lingettes, donc on avait dit, c'était les 10 lingettes plus dégradables pour le nettoyage et le démaquillage. Hein, voilà. Alors, spécialement pour le nettoyage, je trouve que ça fait pas son job, je dis. Et pour le démaquillage, par contre, je trouve que ça fait son job. Voilà. Donc, je ne rachèterai pas, par contre, parce que je n'utilise pas des lingettes pour me démaquiller, spécialement pour des lingettes spéciales avec les produits dedans. Donc, pour moi, ça reste un flop. J'espère que j'ai pas dit que c'était un top au niveau de l'Instagram, parce que, bah, alors, voilà. Ah, oh là là, oh la partie de rigolade. Alors, dans le montage, je sais pas si je vais mettre la vidéo. Attends, j'ai même pas sur une vidéo. Non, j'ai une photo. Alors, j'ai une photo de mon évier et une photo de ma gueule. Donc, non, c'est bon, je peux faire. Là. Donc, là, c'est de la gamme Ritual of Namasté aussi. C'est un flop. Vous allez comprendre pourquoi. J'aime pas la façon de.
de faire. C'était un masque à faire nous-mêmes. Donc, il était purifiant, il me semble. C'est un masque purifiant. Putain, mais le fond, c'est quoi? Donc, au charbon. Hein. Donc, photo de ma tronche, vous allez comprendre pourquoi c'était un phare. Et photo de mon évier. Donc, je ne sais pas trop expliquer quand même derrière. Donc, je suppose que j'ai mis trop d'eau dans le petit bol, et ce qui a fait que ça n'a pas fait un masque normal. Donc voilà, et ça n'a pas donné le rendu souhaité, je suppose. Ça m'a fait ni queue ni tête. Voilà, pour moi, c'est un flop. J'ai pas voulu, par contre, oui, j'avoue, j'ai pas voulu donner mon avis sur Instagram sur ça. Parce que, genre, en vrai, je ne savais pas trop quoi dire, vu que j'ai mal géré le bel rouge. Donc voilà, je n'enchaînerai pas. Voilà. Alors, ah, putain, qui c'est qui a testé? Je sais plus. Merde. Je sais plus. C'est une youtubeuse, hein, donc c'est soit Amélie. Et je pense que c'est Amélie. Amélie ou Carole? Dans l'autre, je pense que c'est Amélie. Je sais plus, putain. Bon, bref. Rituel, du coup, Rituel of Ayurveda, la gamme. Et du coup, alors là, ça, c'est une vraie pépitasse. Hein. C'était joli ce qu'ils disent. Savon de bain au lait de coco. Voilà, c'était un savon pour le bain au lait de coco. Voilà, c'était un tout détail. C'est pas full size. Hein. Le full size, il est comme sur la photo, en fait, du produit. Et là, c'était un coin, 500 grammes. C'est plus que ça. Donc, bref, c'est une pure pépitasse. C'est-à-dire que déjà, l'odeur. Voilà, ça sent bon, ça sent la gamme. Typique la gamme. Donc, moi, vu que j'ai pas de baignoire, j'ai utilisé ça en bain de pied. Et du coup, pas trop faut faire ça. Et puis, j'avais trop envie de tester. Parce que cette gamme, elle sent bon pour moi. C'est l'une de mes gammes préférées. Donc, bon, voilà. Spécialement. Donc ça a rendu mon eau un petit peu blanchâtre et tout, bref, laiteux quoi. Donc voilà, tu fais un bain de pied quoi, voilà. Et donc les pieds essuyés, nanana. Oh, j'avais les pieds tout lisses, tout doux, mais c'est incroyable. Je me suis dit, attends, comment un tout doux pain peut faire ça? Donc après c'était de la poudre, hein, donc voilà. Mais, et quand même, un total top de chez top. Je trouve que c'est le... Je trouve ces produits, ouais, bref, le big top de la série. La série, pourquoi c'est série? On continue, parce que là, je sais pas combien je suis, mais bon, bref. 25, c'est trop, 25, voilà. Ritual of Sakura, donc, ah oui, attends, faut que je prenne son copain. Sakura, donc j'ai le volume. J'ai le shampoing et l'après-shampoing, du coup, de 50 ml les deux. Donc le shampoing, dans la gamme Sakura, j'ai dit. Voilà. Alors, ça sent bon, hein. Voilà. Alors le shampoing c'est lui, avec le bouchon rose, voilà, donc il fait son job, un top, voilà, beaucoup de top en vrai. Et l'après-shampoing aussi, j'ai envie de vous dire, voilà. Et pourtant, Sakura, c'est pas ma gamme préférée, hein. Voilà. Généralement, je m'en laisse que c'est tout quoi. Ah, Ritual of Karma, c'est la fameuse huile scintillante, pailletée du coup, 30 ml. Je sais pas si il y a encore un petit peu de paillettes. Alors, contrairement à l'autre huile là, que je vous fais rentrer juste après, du coup, tout le monde en fait une pâte à caisse de ce produit là. C'est-à-dire que tout le monde sait où, voilà. Bah alors pour moi, pas moi. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas assez de paillettes. C'est limite des fois s'il n'y en a pas. Enfin, c'est vrai, j'avais beau secouer, enfin voilà. C'est mon avis. Hein. Et ça m'a. Enfin, spécialement, ça m'a rien fait. De toute façon, vous le savez, je suis pas trop fan des huiles pour le corps, donc enfin, tout court les huiles. Donc, pour moi, c'est un flop. Ah, j'aurais dit que je ferais l'autre huile. Donc là, c'est dans la gamme Ayurveda. Et du coup, c'est l'huile nourrissante pour le corps. Donc, il y a la rose indienne et l'huile d'amande douce, me semble. Donc, celui-ci. Donc, déjà l'odeur. L'odeur hein, de l'autre huile était bien aussi, hein, mais voilà le reste. L'odeur reste toute la journée jusqu'au lendemain, jusqu'au lavage. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Pour moi, vu que c'est une huile, ça passe en top 2 et pas en top 1. Ça dépasse pas le Palmer's. Voilà, parce que c'était un lait de coco. Donc voilà. Là, mais c'est un top. Il y a deux tops de Ayurveda. Voilà. Ensuite, Ritual of Jing. C'est quoi ça déjà? Ok. Et du coup, je vais faire l'autre après. Je vais rester dans la logique des choses après. Voilà. Donc là, c'est la lotion pour les mains. C'est ça, hein, voilà. Donc le de 40 ml. Alors, il y a deux variantes de. Comme apparemment, Ayurveda, il y a deux variantes. Et bien, il y a deux variantes aussi de Jing. Alors là, c'est complété. Fleur de lotus sacrée, je crois, et jujube. Voilà. Et l'autre, par contre, c'est autre chose. Vous allez voir après.
que moi j'écoute que je fais. Et en fait non. Là, donc voilà, tout simplement. C'est une pépite. Oh là. Top 2 de cette gamme. C'est-à-dire que moi, ça fait Ayurveda, Jing et Karma. Voilà. Sakura, voilà. J'aime bien, mais je m'en lasse. Voilà. Et Hofmer et puis Happy Buddha, pour moi, c'est la même odeur. Donc je parle des gammes depuis tout à l'heure qui se mélangent. J'aime pas. De toute façon, ça reste de l'orange et tout ça, donc j'aime pas. Voilà. C'est parce que j'aime pas l'orange, hein, tout simplement. Allez, j'ai mal. Donc voilà, donc c'est une pépite. Alors ça pénètre assez rapidement, voilà. Et ça fait son job hydratant, donc c'est un top pour moi. Nous passons encore à la Jing. La gamme Jing. Sauf que c'est l'autre gamme, c'est-à-dire c'est à la lavande. Mm-hmm. Et au bois sacré. C'est ça qui est marqué wood. Pour moi, c'est wood, c'est bois. Et sacré, ouais, c'est ça. C'est bois sacré, bizarre. Donc voilà. Donc c'était la fameuse mousse de douche. Je me suis dit au premier abord, ouais, ça sent bon et tout. Et à l'application. Ah bah non, bah tu sens vraiment la lavande, donc pour ceux qui n'aiment pas la lavande, dont moi, non. Donc l'application et tout ça, et la sensation, on est toujours dans la même finalisation, c'est-à-dire que j'adore, mais l'odeur c'est pas pour moi. Donc c'est un top pour son efficacité, mais pas pour l'odeur. Voilà. C'est ce que j'avais dit, me semble, chez Instagram, j'allais dire. Ritual of Karma, du coup, là c'est le gommage corps, du coup, de 70 ml. Allez, nia. Donc c'est typique l'odeur de la gamme. Voilà. Les grains étaient assez petits, me semble. Voilà. Après, ça a fait son job. Hein. Voilà. Je crois que c'est un petit peu difficile. Ah oui, mais c'est un petit peu quand même difficile à rincer, je trouve. Voilà, si j'ai un truc à dire, c'est ça. Ouais. Mais sinon, c'est un top pour moi. Voilà. Ritual off. Oh putain. C'est Amsterdam Collection. Et du coup. C'est vrai, c'est ça. C'est du coup tulipe et japonaise yuzu, donc au citron du Japon et au tulipe du coup. C'était le 20 ml. Voilà, donc je recherchais plume légère pour le corps. Et voilà, c'est une plume légère pour le corps, donc voilà. Allez, bordel de cul. Bon, bref. Son odeur. Son odeur partait bien, commençait bien, mais en fait ça reste pas. Ça reste pas sur le vêtement et ça reste pas bah, sur le corps, donc pour moi c'est un flop. Voilà. Je suis pas la seule à avoir dit que c'était un flop, ce produit-là, par rapport à Instagram. Voilà. Elixir Collection, la gamme, du coup, c'est du coup, ah oui, c'était le masque pour les cheveux à la kératine et à l'huile d'argan 20 ml. Voilà, et pour moi, il a fait son job. L'odeur, c'est une pure pépite. Franchement, oui, il a fait son job, hein. Après, il n'y avait pas beaucoup de choses, voilà, mais pour moi, il a fait son job. Un top pour moi. Ritual of Namasté, et du coup, c'était quoi ça? Je ne sais plus. Ah, c'était la crème de jour anti-âge pour le glow. 10 ml, c'est ça, hein. Crème de jour éclat anti-âge, voilà, c'est ça. Pourquoi ça veut pas? Voilà, bref, c'est tout bon en même temps. Son odeur, bah, typique de la gamme Namasté. Pour moi, c'est un petit top. Pour moi, c'est un petit top, ça n'a pas vraiment fait de l'éclat non plus. Voilà. Je sais plus si ça colle ou pas, non, je vous jure. Bref, c'est un petit top, hein, voilà. Enfin, j'ai pas pris plaisir non plus à utiliser cette crème, il faut l'avoir pour l'odeur. Et normalement, bah voilà, Damini, c'est fini pour les calendriers, du coup, on passe au Vax. Donc là, j'ai terminé la blessing du mois de janvier 2023. Donc vous vous rappelez, c'était ça, celle-là. Voilà. On va faire dans l'ordre parce que c'était la dernière box avec les livrets intérieurs des produits. Donc ça, on s'en fout. Ça. Donc là, c'était de la marque In Air Care, c'était le Serum Boost et. Oh putain. Serum Boost et stimulateur de pouce. Alors, le truc de pouce, non, pas du tout. Et boost près du tout non plus, bref, je trouve pas ça. Oui, c'est un flop totalement parce que bah oui, comme je le sais très bien, c'est tout simplement les produits sérum et huile pour les cheveux, pour moi, sans rinçage je précise, et même avec rinçage, pour moi c'est tout le temps des flops parce que c'est tout le temps huileux, enfin j'aime pas ça, et voilà. J'étais obligée de faire un shampoing derrière. De toute façon, j'ai fait ça, puis un shampoing. Donc, je suppose que ça n'a pas fait de mal non plus. Mais voilà, pour moi, ça reste un flop. Voilà, je savais, hein. Donc, les prochains trucs, huile pour cheveux, sérum pour cheveux, je donnerai. Voilà. Là, c'est la marque Hello Body. Et du coup, c'est dans la gamme Aloe Sight. C'est la crème contour des yeux de 15 grammes. Donc, c'est un full size. Et putain, et j'ai du mal. Voilà. J'ai du mal aujourd'hui. Bon, bref, vous voyez pas, mais c'est pas grave. L'odeur, il me semble que j'ai pas aimé l'odeur. Enfin, oui, voilà. Oui, j'ai pas aimé l'odeur, bon, c'est une odeur de skincare, enfin voilà. Mais voilà.
Bon, il a fait son job, mais c'est pas mon. Comment dire? C'est un petit top, mais c'est pas mon contour des yeux favori. De toute façon, c'est pas ma skincare favorite, mais le contour des yeux, déjà de base. Voilà. Ça va. Ah, et ah, l'avant-dernier. Ah oui, c'est vrai. Oui, je sais. C'est vrai. Et donc, le dernier, enfin, l'avant-dernier produit avant le dernier. Du coup, c'est normal, dernier. Oh, c'est la marque Huygens, c'est du coup. Ah oui, je me rappelle, c'était une nouveauté à l'époque. Donc, ça fait un an, presque. C'est la crème visage à l'acide hyaluronique, donc qui est censée être hydratant. Voilà, et après, là, ça, c'est fini. Donc, voilà. Donc, qui était comme ça, donc on a un petit format comme ça. Donc, l'odeur. Alors, c'est une bonne odeur, et pour moi, bah, il a fait son job d'hydratant et tout, c'est tout léger, tout ça. Voilà. C'est un top. Hein. Et le seul produit de la Glossy Box du mois de janvier, c'est de la marque Murad, oui. Et du coup, c'était le nettoyant exfoliant au AHA et DHA 15 ml, donc il n'y a pas grand chose. J'en ai eu pour une ou deux utilisations. Ouais. Voilà. Ah, il me semble que j'ai bien aimé l'odeur. Oui, voilà. Et il a fait son job de goût des ailes du nez. Pour moi, c'est un top. Voilà. Oh, c'est fini. J'ai mis combien de temps? Oh la vache. Désolée pour ce temps et pourtant. Ah, mais pour certains produits, je me suis un petit peu pour à gauche. Quoi. Voilà. Donc, j'ai terminé 27 produits contre 51. Donc, la team des moins a gagné. La team des plus a perdu. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. J'ai beaucoup de flops. De top, pardon. J'ai compté. Les flops, putain, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 flops contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mais je suis con, putain, pourquoi j'ai pas fait la balle? Moi, franchement, allez, je suis fatiguée, c'est lundi soir, quoi. Voilà. Donc, ouais. Donc 20 tops contre 7 flops. Voilà, c'était un bon mois pour moi, du coup. Donc si vous avez aimé cette vidéo, même si elle est longue, désolé, petit j'aime, petit commentaire, petit abonnement si le cœur vous dit. Et merci pour ceux qui rejoignent. Et j'ai vu qu'il y avait des garçons qui rejoignaient, donc merci. Voilà. Et ben on se retrouve plus tard. En tout cas, moi je vous embrasse et je vous aime. Et on se retrouve plus tard, merci. Et normalement j'ai plus de vidéos.